Ça dit quoi? Ça dit... Raphaël Sadik. Ta gueule. Ah, nouvelle vidéo, je sais, ça fait très longtemps. Après, il y a un délai de 4 mois entre chaque vidéo que je fais. On est de retour pour des vidéos qui vont changer. Ça va pas être la même chose qu'avant, donc les petits podcasts de merde où je gueule comme un con. Il y en aura beaucoup moins qu'avant. Ça va être peut-être plus des vidéos comme ça. Ouais, de toute façon, si je fais un podcast, ça va être de même. Ouais, ça, le décor. Je vais peut-être refaire les vidéos que je faisais avant, genre un peu sketch, toutes ces affaires-là. Premièrement, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le logo et la bannière de la chaîne ont changé. Donc, c'est maintenant rendu ça, le logo. Il s'est rendu ça, la bannière. De toute façon, vous pouvez aller le voir par vous-même. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. On essaie d'avoir 200 abonnés avant 2025. J'ai fait une petite chute, là, je me suis... C'est ça, on essaie d'atteindre 200 abonnés avant 2025, ça serait vraiment cool. Ce qui va changer maintenant sur la chaîne, c'est que je vais faire peut-être un petit peu plus de shorts que de vidéos normales. Vraiment, juste parce que des shorts, c'est plus facile à faire. Puis si je veux faire un peu plus de contenu, c'est plus simple que faire une vidéo comme ça, par exemple. Même si je préfère faire des vidéos de même, les shorts, c'est plus facile, c'est plus accessible pour moi, parce qu'en plus, c'est pas long à faire. Donc, c'est easy, y a pas trop de montage à faire non plus, donc c'est vraiment facile. Donc là, peut-être que le son, je sais pas s'il y a vraiment une énorme différence à avant, mais j'ai acheté un petit micro. What a segment! Puis aussi, si je veux parler loin de la caméra, j'ai un deuxième téléphone, avec lequel je vais pouvoir m'enregistrer ma voix. Là, vous êtes toujours sur le micro. Et là, vous m'entendez à partir de ce téléphone-là. Donc c'est ça. Si je veux parler loin de la caméra comme ça, ici, je vais juste parler dans ce petit téléphone-là, et comme ça, vous m'entendez, même si je suis quand même très loin de la caméra. J'ai pas vraiment besoin de crier dedans, mais vas-y. Donc ça va être comme ça. Ça va être utile. Mais pour le reste, ça va vraiment être le micro. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous le montrer, mais après, ça serait un peu trop compliqué. Il est sur le trépied, puis c'est flap. Donc c'est ça qui a changé. Les vidéos vont changer. Tout va changer. Les miniatures, la qualité, tout va changer. Bon, j'ai rien d'autre à dire en fait, vraiment là, c'est... Plus abonné, abonnez-vous. Yes. C'est où? Il va y avoir du gaming un peu sur la chaîne aussi, c'est vrai. Et là, on va faire un petit room tour. Oh, attends, bonne idée ça. Alors, je m'emmerde là, mais voilà, je viens de trouver une idée. En commençant par l'endroit où j'ai mon setup. Alors, c'est un peu le bordel. Parce que là, j'ai tout mis là-dessus pour que je puisse mettre le trépied et tout. Ici, il y a le petit setup gaming avec le petit volant Logitech. Petit chandail des Canadiens, tard l'époque, vous savez, vous connaissez. Gros fan des Canadiens ici. L'étagère, en fait, la fameuse étagère. Pourquoi ça fait pas le focus? Parce que ma gueule est dans le champ. Voilà. La petite étagère qui est aussi la bannière de la chaîne, donc ça c'est cool. Voilà, le petit panier basket. Donc... Il va avoir ce setup là, et si je fais ça, attention, deuxième setup, mon petit fauteuil comme ça, tu vois, je peux être en mode de... en mode gangster un peu, tu vois. J'ai rien de gangster, mais vas-y. Voilà, ça va être un petit setup, où je vais peut-être faire des vidéos comme ça aussi, ça va être vraiment cool. Voilà, donc ça, à peu près, ça va ressembler à ça, les vidéos, ça va être soit comme ça, soit où est-ce qu'on était au début, mais voilà. C'est pas mal ça, je vais un peu montrer la chambre, ça va être là, ça va être... Toutes les vidéos, ça va être filmé là. Et ce qui est cool, c'est que mon micro, attention, je vais juste... Ça va peut-être faire un peu de bruit. J'ai un chat mort, ça s'appelle en français, un dead cat, comme vous voulez. Attends, je vais juste faire le focus, voilà. C'est ça, c'est pour un genre de windscreen en fait. Et comme ça, je peux filmer dehors, même s'il vente, comme ça, il y aura pas de gros... Mais c'est ça, ça c'est vraiment utile pour les vidéos. Je pourrais peut-être vous montrer le micro, mais j'ai la flemme. Ça va être une prochaine fois, je le remets, attention, ça va peut-être faire un peu de bruit. Mais on va finir la vidéo sur ça, mesdames et messieurs, je suis très content. C'est vraiment nice, le trépied, je suis vraiment content. Oh merde, j'ai même pas montré. Mais il y a le... Voilà, c'est vrai, et le lion. Et pour ceux qui savent, faut être un ancien de la chaîne pour savoir. Donc si vous avez la ref, bien joué à vous. Je pense que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai rien manqué. Sinon, je repartirai la vidéo tantôt. C'est ça. Fait que je vous dis à la prochaine. Et faites de beaux dodos. Parce que je vais être chez vous. Parce que là, si tu mets pas un like, là, pis si tu
t'abonnes pas, là, je sais où ce que t'habites, mon sale. On t'a retrouvé. Fait que sur ça, je vous dis bonne journée! Ta gueule, ferme ta gueule.